Ok le gars, on a eu le diamant, voilà donc c'est super, voilà parfait. Du coup maintenant, en fait j'ai, je vous expliquerai un peu le problème. Du coup, en fait genre j'ai supprimé, enfin j'ai enlevé, j'avais perdu l'autre enregistrement. Du coup j'ai réussi à le récupérer sur le play, mais il faut réussir à récupérer le son de ma voix. Du coup c'est ça que j'ai fait, le diamant. Du coup là on se prend sur un petit plan, voilà, vite fait. Alors du coup on va mettre le putain de diamant sur cette arme les gars. Ah ouais d'accord, il est magnifique les gars. Maintenant les gars, ce qu'on va faire, c'est le petit bonus. On va aller réveiller mon frère qui dort. Parce que je tiens à préciser qu'il est minuit 3. On est allé au repas parc aujourd'hui. Du coup, on a une assez grosse journée. Alors, je vais juste lancer le début de la vidéo. Donc, je vais essayer de coordonner tout ça. Alors, attendez, d'abord, je me coiffe. Faut montrer ma vieille tête. Ok, c'est bon, parfait. Donc, voilà les gars. Du coup, là, je suis là. C'est parfait. Voilà. Du coup, on va rejoindre mon frère. Putain, j'ai l'impression que je bouge. Bref. Alors les gars, c'est parti, donc vous voyez un peu ma chambre, ça me semble les couilles. Donc vous allez voir ça. Ça va gros? Elle a la caméra, c'est pas utile. J'ai le diamant. Ils s'en battent les couilles. Jamais sur YouTube, hein. Extraordinaire, genre. Bref. Du coup, on a le diamant, c'est très cool. On peut pas parler du poster qui est en fond. Bref, les gars, voilà. Donc, pour moi, c'est plutôt cool. On va faire un petit game avec. Donc, voilà, tout simplement, j'ai déjà fermé ma petite porte. Oui, RPZ, Paris, Saint-Germain. Bref, les gars, donc voilà, du coup, là, je coupe la vidéo, je reviens ici. Tranquille, bon, les gars. Donc nickel, alors parfait, du coup faudra pas que j'oublie de faire le montage. Alors du coup on va peut-être pas tester avec cette arme. On va tester avec éventuellement celle-là. Elle est magnifique, il n'y a rien à dire. Ensuite, je vais encore mettre à d'autres armes. À d'autres armes. Alors on va essayer de tester sur celle-là. Parfait. Sur celle-là. Alors celle-là on l'a déjà, celle-là encore. Et parfait les gars. Alors camouflage, voilà, boum. Alors là, là tu vas pas en... Si tu vas en mettre un. Tu vas mettre une Elo. Tu vas mettre. Non, il n'y a pas besoin de poignée, une poignée argot. Un silencieux. Une crosse. Et fantôme et détermination. Et avec silence de mort, parfait. Donc là on a une classe. Alors lui, elle est déjà mise. Elle est déjà mise. On va juste rajouter ça vite fait. Parfait. Alors plus. Non, elle a pas besoin, je crois. Poignée, ergo, silencieux. Ah merde. Silencieux. Tu vas enlever la tactile. Et là tout 3. Et tu vas encore mettre. La crosse, parfait, ça c'est nickel. La R3K, tu vas mettre une Elo, une poignée, un silencieux, une crosse, et c'est tout. Parfait, ça paraît pas mal. Ok, alors MG4, on l'a déjà mis, ça on l'a déjà mis, ça on l'a déjà mis. Ok, parfait. Alors on va tenter une petite game avec toutes les armes tranquillement, les gars. Parfait. Alors, du coup, on a 3 minutes 57 de vidéo. Ouais, vous avez vu mon frère qui s'en bat carrément les couilles de moi en même temps. Après une journée comme ça, vous avez bien vu. Je l'ai bien fait chier. Enfin bref. Donc, ah, vas-y, lance la petite game. Ça fait. Ouais, on va rester sur ça. Pour l'instant, j'étais un peu les gars. À part voir des mecs ayant mis ce camouflage-là, j'ai pas vraiment vu de mec ayant mis le diamant. C'est vrai qu'on s'y attend absolument pas à ça. Mais il est vraiment. Regardez-moi ça, les gars. C'est magnifique, wesh. C'est vraiment magnifique. Moi, bon, je pense pas que je suis le premier à l'avoir fait, mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Il est vraiment magnifique. Bon, après, c'est du boulot. Hein. Là, ça fait quoi, un mois, voire deux, que je joue presque tous les soirs pendant une heure ou 2 heures, comme ça, en train de monter les armes. C'est parfait. Bon, pour ceux qui auront le camouflage de nuit noire, je peux vous dire que je le respecterai. On va tenter. Attention. Oh, les gars, regardez-moi ça! Vas-y, regarde mon camouflage, toi.
Mec, c'est vraiment. Elle est magnifique, wesh. Elle est vraiment magnifique. C'est magnifique, les gars. On va prendre l'eau déjà pour voir. Je vais tous les voir avec le camouflage. Alors. Bon, bref. Ah ouais, même elle, frère, elle est magnifique. Bon, allez, c'est normal que j'ai vraiment eu du mal à jouer. Donc, je pense pas trop que je vais vraiment y jouer beaucoup. On va déjà d'ailleurs prendre ça là. Je vais pas rester non plus tellement longtemps dans cette game. Si quelqu'un veut ramasser mon arme, je l'en prie, hein, il peut. Alors, elle, c'était une de mes armes que j'ai pris le plus de plaisir à la monter, tout simplement. Parce qu'en fait, c'était un peu pour moi l'NV4 améliorée. Du coup, j'ai pris assez de plaisir à la monter, tout simplement. Tranquillement. Bon, ok. Alors, maintenant, on va aller sur Régneret. Donc, ça, c'est l'arme Akimbo. Comme vous pouvez vous souvenir, donc c'est la dernière arme que j'ai montée. Ce qui est vraiment plutôt pas mal aussi. Après, c'est vrai qu'une fois que vous les avez déjà tous montés, que vous avez tous déjà beaucoup joué, que vous avez fait tous les défis, vous. Comment dire, vous gérez quand même beaucoup plus l'arme que avant, tout simplement. Après, je suppose que c'est aussi normal, hein. Il n'y a pas non plus de voilà quoi. Tout simplement. Oh, c'est magnifique, les gars. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Alors, vas-y, tu vas juste aller là. Bon, après, il y en a qui préfèrent se spécialiser dans les défis de type master premier, d'autres solaire et tout. Moi, je suis plus master et solaire, tu vois, en même temps les deux. Donc, je fais les deux en même temps. Je monte et en même temps, je grade les armes. Je trouve ça que c'est plutôt un joli ensemble. Putain, elle est aussi vachement belle cette arme. Comme ça. Bon, alors, elle a un peu moins de rafale, mais elle aussi, elle est également un peu plus puissante. Du coup, ce qui fait une arme assez bien. Donc, c'est la quoi déjà? La Volk. Voilà, c'est ça, la Volk. Tranquillement. Donc, ça là, j'ai pris assez plaisir. C'était la deuxième, à vrai dire. Lors de même pas mon premier prestige, lors de mes niveaux normaux avant le premier prestige, tout simplement juste pour le troll, c'est des headshots parce que headshot c'est un truc que tu galères vraiment parce qu'il y en a 160 à faire. Du coup, je sais pas pour ceux qui ont déjà eu celles qui ont déjà des armes en or ou des armes en diamant, parce que je pense pas vraiment beaucoup. Je pense qu'on n'est pas beaucoup dans le monde. On doit être quoi pour aller avec tous les joueurs qui jouent, on doit être 500, un truc dans le genre, grand max. Avec les gens qui jouent toute la journée comme ça. C'est marrant, pote. Oh putain, je suis dans la merde là. Vas-y, fils de pute, mais ta grand-mère. Donc. Oh, il faut rester là. Elle a cette précision quand on tire, ce qui est plutôt pas mal. Sachant qu'en fait, les AK, on va pas se mentir, le Volk, c'est une AK. Ils ont jamais vraiment beaucoup de recul. Du coup, mettre une poignée, c'est à peu près inutile. Du coup, ce qui te permet déjà de gagner facilement un accessoire en plus quoi, donc c'est déjà plutôt sympa. Par exemple, tu peux mettre ah, moi j'ai mis poignée ergo cross et silencieux, tu vois, au lieu de mettre poignée ergo cross et silencieux, tu vois, au lieu de tu peux quand même mettre plus d'atouts ou avec une voilà quoi. Bref, vous voyez ce que je veux dire, je vais pas faire tout un chapitre tranquillement. Alors, on va juste prendre ça. Bon, après je pense qu'on va quitter à partir parce que j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Des vidéos trop longues généralement c'est de la merde. Alors, vas-y, t'es où? Voilà, fils de pute. J'espère juste que le son n'est pas en décalé à la vidéo. Sinon, je suis vraiment dans la merde. Alors, toi, vas-y, mon doigt, une fois. Allez, boum. Tu veux faire tes tirs de loin? Pas chez moi, mon pote. Comme tu vois, moi, oh, oh, le bâtard! Ça, c'est vraiment des grenades de merde, tu vois. Tu vois vraiment plus absolument rien du tout. Ah, ce qui serait cool, c'est de faire la dernière quelqu'un avec ça, avec l'armand James. La volée, c'est vraiment une arme que je me suis pas beaucoup permis de jouer. Mais elle est vraiment excellente, y'a rien à dire. Ah, bon, heureusement, parce que lui, ça aurait été de la merde. Alors, nickel. Je suis un peu dans la merde là, mais c'est pas grave. On va essayer de s'en sortir quand même. Ouais, je suis même extrêmement dans le. On va juste prendre la NV4 d'ailleurs. Parce que la NV4, c'est vrai que c'est la première à laquelle j'ai joué. J'ai joué pendant tout mon premier prestige. Mais au final, j'ai un peu. Comment dire? J'ai un peu oublié avec les autres armes, quoi, tout simplement. Parce que la Volk et tout ça.
coup je sais plus vraiment excellemment bien jouer à cette arme. On va juste mettre le drone, parfait, boum boum. Alors toi, ouais, toi c'est bon, nickel. Bon alors je sais aussi que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent ouais il est passé où Psych et tout au niveau des vidéos, tout ça tranquillement. Mais les gars je vous dis vraiment, j'ai vraiment pas le temps en ce moment, disons qu'avec les coups j'ai vraiment absolument pas l'envie de faire beaucoup de vidéos. Par exemple là c'est une occasion spéciale, tu vois, je fais une vidéo, ça me fait plaisir, ça lui fait plaisir. On a les armes en diamant, etc. Nanana. Après, je sais que pendant les vacances, pour ceux qui sont en cours, donc les vacances de Noël, qui se passent du 16 au 3 janvier, je crois, un truc dans le genre, comme ça, je suis pas trop sûr. Je vais faire au moins, on va dire, je crois que je vais faire 8 ou 9 vlogs, donc daily vlogs, un vlog chaque jour, sachant que je vais les poster en différé des trucs, parce qu'en fait, je vous lance un peu le projet. En fait je vais faire une croisière tout simplement et du coup je vais faire un daily vlog pendant cette croisière, donc un vlog par jour. Mais comme vous vous en doutez, je peux pas le poser une vidéo mieux de la mer Méditerranée. Du coup ce que je vais faire c'est qu'une fois que je vais rentrer chez moi, je vais les upload un par un, donc un par jour tout simplement. Et du coup ce qu'on va faire c'est que je vais les upload un par jour et donc vous les aurez juste en différé d'une semaine quoi, il y a un très compliqué. Bon on n'a pas fait dernier kickam, c'est un peu dommage. Ouais du coup tout simplement comme ça les gars. Voilà. Donc je vous explique un peu le projet, je vous en parlerai plus dans une autre vidéo. Enfin bref, ouais, c'est une petite provoque. Non c'est ta provoque là. Ah. Attends les gars on dirait qu'il fait une discothèque me dire. En vrai c'est un bug de truc. Bref donc pas les couilles les gars. Voilà les gars. Donc pour ceux qui voulaient savoir ça. Donc disons que des fois j'ai vraiment de l'envie de prendre des vidéos, j'ai envie de faire des courts-métrages, tout ça, j'ai plein d'idées qui me viennent à la tête. Mais le problème les gars c'est vraiment le montage, le temps à les produire, l'envie à les produire et avec qui les produire, parce qu'avec Flo il est motivé tu vois, mais pas pour toutes les vidéos. Bon, bref tu vois ce que je veux dire. Bon donc les gars comme d'hab n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos. Je compte m'attaquer au camouflage Yams des mitraillettes. Donc là tu y a pas de soucis pour être prêt. Faire le comment il s'appelle déjà, bon, je vais regarder vite fait, boum boum boum, le camouflage solaire, voilà, donc j'ai 1/8 de type plutôt malaise tout simplement, et après nuit noire si possible, donc là il faut avoir les camouflages diamants sur les deux, camouflage solaire et camouflage diamant tout simplement, donc tranquillement, en tout cas les gars elle est vraiment magnifique, regardez-moi ça, t'as même plus vu de porter l'or frère, l'or tu dis ouais caca tu vois. Tu portes elle carrément gros, elle est vraiment magnifique. T'as regardé moi ces contrastes et tout, magnifique. Tu vois, je pensais que ça allait être genre ça, comme les autres Call of. Et non, regarde mon pote, c'est ça, et ouais, mon gars, mon gâchet. Bref les gars, donc les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like en bas de la vidéo, à mettre un commentaire en me disant si vous avez déjà une arme en or, une arme en diamant ou quoi, ou si vous êtes en train de les monter. Ça m'intéresse assez de vous savoir dans la galère comme moi. Je vous souhaite bonne chance pour ceux qui veulent faire avec cette arme qui est extrêmement compliquée. J'ai passé environ la moitié de mon temps à faire cette arme, simplement, surtout les tirs de loin et les tirs dans la tête. Vu que c'est une rafale, c'est assez compliqué. Enfin bref, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un like en bas de la vidéo. Et donc, les gars, moi je vous dis, tchou bye, peace, c'est merde.